Bonjour à tous, aujourd'hui c'est l'ouverture de Tripack Fight Paradox avec en bonus du Evolution Céleste et Evolution Paldea. Donc on va ouvrir, comme d'hab, ouvrir. Oh, il y a un booster qui est tombé, ça veut dire que c'est un booster porte-bonheur, Rugilune. Hop. Ça ici, ça là, pas perdre de temps. Allez. Compliqué celui-là. Ça veut dire qu'il y a des bonnes cartes dedans. Si, compliqué. Voilà. Puis on va ouvrir celui-là aussi en même temps. Comme ça, c'est fait. Oh, celui-là il me fait un peu galérer là. Hop là. C'est bon, tout est ouvert. Je vais tout séparer. Je vais vous donner ça. Hop, et de 1 et de 2. Et de 3. Cadeau pour vous. Donc, les cartes promo, c'est vrai que je les ai balancées comme ça. Je vous fais voir. Pour ceux qui n'ont pas vu, après on s'en fout un peu. C'est vrai que on les a toutes vues. Tombéro. Et ça vient des tripacks. Balbalaise, Criodo. Voilà. On va les mettre ici. Il y a le petit jeton Croco Grill. Très sympathique. Allez, on va commencer avec un premier tripack. C'est parti. J'en ai ouvert très peu. Fight Paradox, je compte pas en ouvrir des masses. Parce qu'en fait, je m'en tape un petit peu de cette série. Mais je vais occasionnellement en ouvrir pour voir ce que je peux choper dedans. Et voilà, et puis c'est tout. Hein. Plaisir d'ouvrir aussi un petit peu. Faire de terre. Oh, il est pas mal ce Absol. J'aime bien l'illustration. C'est qui? C'est Shinji Konda. Gritnot. Commence avec un Baby Manta Reverse. Et un Mythe de Fer. Je vais séparer les rivers. Je vais le mettre ici. Allez, les tripacks m'ont toujours donné de la grande chance. J'espère que ceux-là, il va y avoir des belles dingueries à choper. Plumeline. Tilton. Flamajou. Scorplane. J'aime bien. Attends, Pripost. Absol. Mascadra. Palkia Reverse. Kinra Reverse. Enfin, une holo Reverse. Pour le coup. Terracool. Et puis ben Palkia Holo. Alors, dernier booster du premier tripack. Énergie. Alors, let's go avec Coupilou. Larvadar. Oh, il est super ce chouchoudil. Monorpal Capsule. Fer du Terre. Professeur Turum. Collée au dôme. Oh, excellente. Et super belle cette AR là de Hexagide. Ça c'est super. Et y aura, on va finir sur Porygon Z qui tombe. Wow, ça c'est génial. Le Pokémon en lui-même, j'aime pas trop. Je suis pas habitué. Mais là, pour le coup, ça rend super bien. Le fond là, ça fait un peu penser à Zelda. Elle est super ça. Passe au deuxième tripack. Après, une que j'aimerais vraiment avoir, c'est Groudon en air. Elle doit être dingue. Et puis en alternatif, c'est. Oh, elle est super celle de Jirachi. Faudrait qu'il fasse une alternative sur Jirachi. Et l'alternative que j'aimerais avoir, si je peux, c'est. Comment s'appelle-t-il? Tel. Oh, je sais plus, j'ai un trou là. Scorplane.
Samouraï. Elle existe aussi en alternative, mais c'est pas celle que j'aimerais avoir. C'est dingue ça d'avoir un trou comme ça. J'avais la carte en tête, mais j'ai plus le nom. Ça va revenir prochainement. Non, c'est pas Rugilune. Ouais, elle est belle aussi, mais c'est pas celle que j'aimerais en alternate. Il y a Altaria. Ouais. Je ne sais plus. C'est le gamin. Trop beau ce petit gamin. Natu. Statitique. Fesse de défi. Télestin. Oula, je suis en train de tout passer. Capsule. Spontané. Flot tout temps. Monorpal. Palkia. Palkia. Ah, ça y est, je viens de retrouver l'ex-alternative. Ça m'a fait penser avec Lot ex et pièces mordues d'or. C'est Gromago. Gromago ex, c'est l'alternative que j'aimerais avoir. Ouah, ça me revient seulement maintenant. C'est incroyable. J'ai une mémoire de Ramolos. Il faut travailler ça. Hein. Bon, là, c'est le dernier booster du tripack. Et que je n'ai pas encore eu de ultra rare pour l'instant. Donc, ça va jouer là-dessus. Capidextre. Oh, la poupée Ronflex. Toute mimi qu'on a envie de caresser. Porygon. Il n'y aura rien là-dedans. Et rien pour ce tripack. Malheureusement. Et ben on va passer au duo pack. Hein, avec Evolution Apaldea. Et en dernier, Evolution Céleste. Celle-là aussi très peu ouverte. Sous-côté, parce qu'il y a quand même des belles cartes dans cette série. Mais bon, pareil. C'est pas. Pour moi, je sais pas. Je trouve pas que c'est la plus intéressante à collectionner. Alors, Ferrosinge. Du coup, comme j'en ai ouvert très peu, j'ai l'impression de redécouvrir des illustrations. Megacan, Love Disc, Azumarill, Apiren, Béca Glaçon, Ambrilex en reverse, un Trioxyde en reverse. Et on finit avec Gambex. Allez, là-dedans, si j'ai un Rayquaza alternatif ou un Noctali VMAX, ouais, aussi alternatif, je crie de joie, je saute au plafond. Ouh là, le booster, il a l'air, il est bizarre. Ils sont bizarres les anciens boosters. On dirait que ça a été du reconditionné. Alors là, il y a un tri. 2, 3, 4, 1, 2. Ouais, c'est ça. Je m'en rappelle. Dracos. Mélange multivitaminé. Fouette, Flabébé, Nodulite, Psychoquack. Que des souvenirs cette série alors que c'était elle est sortie il y a quoi 2-3 ans? 2 ans. Nénupio et attention. Eh ben ça sera un pont de rapide. Pourquoi la lumière s'est éteinte? J'ai pas compris. Ah ok. Elle était un peu trop loin de la prise. J'ai cru qu'il y avait une coupure de courant. Je me suis dit non, non, non. Il y a encore la lumière de la chambre. Non, c'est pas possible. Bon, bah voilà, on va se terminer là-dessus. Donc, du coup, finalement, sur l'ouverture, on n'aurait eu qu'une petite aire de Exagide. Mais comme elle est très jolie, je pardonne cette ouverture désastreuse. Mais voilà, toujours un plaisir d'ouvrir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Si je retrouve du 151, j'en ouvre encore. Allez, ciao!